Bonjour et bienvenue sur netprof.fr. Dans ce cours, nous allons découvrir les origines d'une expression de la langue française, et plus particulièrement l'expression « la petite reine ». Alors, que signifie cette expression? En fait, la petite reine est une façon de désigner le vélo, la bicyclette et sa pratique, et donc par extension le cyclisme ou la compétition cycliste. Quelle est son origine? Donc cette expression est forcément assez récente, puisque la bicyclette s'est développée en France à partir de 1865, et l'expression est apparue fin 19e, début 20e siècle, donc une trentaine d'années plus tard, tout au plus. Elle résulte en fait de l'amalgame entre deux sources bien distinctes. La première source est un ensemble d'articles et un livre dans lequel le journaliste de l'époque, Pierre-Louis Griffard, qui était vraiment enthousiaste sur le développement de la bicyclette en France à cette époque, chante les louanges du cyclisme naissant, qu'il qualifie de « la reine bicyclette ». Il proclame par exemple que la bicyclette vaut à elle seule tous les autres sports. La reine bicyclette est également le titre d'un de ses ouvrages, dont la couverture, qui représente une jeune fille portant une bicyclette à bout de bras, que vous pouvez voir illustrant ce diapositive, a fortement marqué l'imaginaire collectif de l'époque, en démontrant la légèreté des bicyclettes modernes par rapport à ses ancêtres. La seconde source, à l'origine de la génération de cette expression, nous vient de la reine des Pays-Bas, Wilhelmine d'Orange-Nassau. Wilhelmine est devenue reine très jeune, à 10 ans. Elle a été rapidement surnommée affectueusement « la petite reine » par les médias français. Cette reine de Hollande avait la particularité de circuler à bicyclette, au plus proche de ses sujets, ce qui les enthousiasmait et ce qui marqua fortement l'opinion publique française, qui découvrit la reine avec une série d'articles qui lui furent consacrés à la fin du 19e siècle. Et très rapidement, l'amalgame s'est fait entre la petite reine Wilhelmine et son signe particulier qui marqua tant les Français, le fait qu'elle se déplaçait en bicyclette. C'est donc le télescopage entre ces deux sources qui a généré l'expression « la petite reine » telle que nous la connaissons aujourd'hui, et qui est encore employée largement dans les médias et les journaux pour désigner la bicyclette et le cyclisme en général. Merci d'avoir suivi ce cours. N'hésitez pas à partir à la découverte des origines de nombreuses autres expressions de la langue française sur netprof.fr. Il vous suffit pour cela de cliquer sur Reynald, mon prénom, qui est un lien qui va s'afficher sous la vidéo dès qu'elle sera terminée. Ainsi, vous retrouverez aisément toutes les autres vidéos que j'ai mises en ligne sur le site, et notamment celles qui vous permettront de découvrir les origines de nombreuses autres expressions de la langue française. Je vous dis donc à tout de suite sur netprof.fr.